Offrir de l'emploi à tous pour subvenir aux besoins d'une population jeune et en croissance constante, c'est possible grâce à la promotion de l'entrepreneuriat. Pour y arriver, le Forum international pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique se veut une boussole pour les jeunes dans leurs ambitions de création d'entreprises. Le FIDEA se veut d'être un forum international, un cadre de partage et d'échange, de rencontres et d'opportunités, pour réfléchir ensemble, acteurs publics ainsi qu'acteurs privés, sur les thématiques qui font l'entrepreneuriat sur le continent. Dans quel environnement évoluent nos entreprises? Quels dispositifs peuvent être mis en place afin d'améliorer leur croissance? Nous sommes persuadés que ce grand rendez-vous ici, à Cotonou, pourra apporter des éléments de réponse afin que nous puissions faire des propositions aux différentes directions qualifiées. Améliorer le climat des affaires et favoriser l'émergence des entrepreneurs, c'est le thème de cette deuxième édition du FIDEA. Conscient des défis d'aujourd'hui et de demain, le gouvernement béninois accompagne l'initiative. En 2050, la population de notre pays, ainsi que celle du continent africain, va doubler. Cette croissance démographique va de pair avec la croissance des besoins de la population. Il se dressera donc devant nous le défi de pouvoir, aux besoins d'une population aussi importante. Il nous faut donc anticiper sur ces réalités dès aujourd'hui pour favoriser l'émergence de solutions pertinentes, viables, résilientes. C'est ici, pour moi, le lieu de féliciter cette initiative et surtout d'encourager les acteurs qui ont vu juste en créant une plateforme qui met en valeur les jeunes talents, parce que ne l'oublions pas, c'est bien vous, les jeunes, qui serez les acteurs et les décideurs de la société de 2050. À ce rendez-vous de 24 heures, plusieurs communications et un concours de start-up pour mettre en lumière et accompagner les jeunes entrepreneurs les plus innovants dans le développement de leurs projets.